Caché au milieu de nulle part, où seules les bestioles parfois rôdaient, il était une fois un être étrange. Edgar. Edgar était une sorte de vivant sans vie, né d'un sortilège raté qui aurait dû faire de lui un domestique, corvéable à merci. En fait, Edgar n'avait jamais vraiment su ce qu'il était. Il se doutait juste qu'il n'était pas humain. Il avait pour seule amie une araignée, qui ne le quittait jamais. Edgar et l'araignée vivaient tout en haut d'une sombre et vieille tour qui dominait tout le pays et dont il se disait qu'elle était habitée par une très vieille sorcière à qui le temps avait fini par lui voler la vue. Depuis qu'elle habitait le sommet de son triste donjon, le beau temps avait disparu, car chaque jour, la sorcière avait pour plaisir d'orchestrer depuis son repère les orages et les tempêtes, en jouant de son violon diabolique. Comme chaque jour, flanqué de sa fidèle araignée, Edgar regardait inquiet la danse macabre de sa maîtresse qui jouait des éclairs et du tonnerre jusqu'à ce que pluie et bourrasque noient tout le pays dans le gris, le froid et la désolation. L'araignée était terrifiée et Edgar, si fragile, en était à chaque fois si secoué qu'il en perdait tantôt un bras, tantôt une jambe. Il devait alors attendre que la sorcière le répare, sans quoi il ne pouvait plus rien faire, ni même se tenir debout. Edgar était impatient de connaître le monde, dont il ne pouvait qu'apercevoir qu'un tout petit horizon du haut de sa prison. Alors il l'imaginait, le rêvait, à sa façon. Un jour, il aperçut deux étranges créatures qu'il n'avait jamais vues auparavant. Edgar, émerveillé, découvrit ainsi qu'il était donc possible de traverser l'existence à deux. Rien depuis le jour de sa mise en service ne lui avait fait vivre une telle émotion. Il chercha en secret dans les grimoires de la sorcière ce que pouvait bien être cet étrange sentiment qui l'envahissait. Et il comprit qu'il ne pouvait s'agir que d'une chose. L'espérance. Et pour la toute première fois, Edgar se surprit alors à espérer. Un être aussi différent de tout et aussi semblable à lui était peut-être quelque part à l'attendre. Il devait savoir. C'est ainsi qu'un jour, encore plus ivre de colère qu'à l'habitude, la vieille sorcière tomba du haut de sa tour maléfique, morte.
sur le coup. Edgar était libre. Aux portes de sa tour-maison, Edgar s'apprêtait enfin à découvrir le monde, ses joies et ses embûches. L'ami fidèle restait à ses côtés. Et il marcha. Il courut sans cesse, des jours, des semaines, des mois, comment savoir? Edgar ne connaissait pas le temps. Et le temps ne semblait pas se soucier d'Edgar. Alors qu'il cherchait un endroit où se cacher pour la nuit, Edgar découvrit à l'ombre d'une maison depuis longtemps abandonnée un bric-à-brac d'objets étranges, de vestiges insolites, d'une époque aujourd'hui évanouie et qui avait vu s'animer en ces lieux toute une communauté de petits êtres fragiles très semblables à lui. C'est là qu'il l'aperçut. Il l'a cherché depuis des jours, des semaines, des mois, des années. Et elle était là, enfin. Il l'avait trouvée. Il en était sûr. Ça ne pouvait être qu'elle. Marquée d'un chiffre 12 brodé de fil, elle serait pour Edgar la 12 demoiselle. D'abord paniquée par la présence de l'intrus, cette petite chose frêle et délicate, sans doute elle aussi laissée là par d'autres apprentis sorciers sans scrupules, indifférents de la laisser ainsi inachevée et abandonnée à l'oubli, elle comprit qu'Edgar venait la délivrer de ce temps depuis si longtemps arrêté. Au bout de longues heures de travail, aidée par les talents d'experte de son amie l'araignée couturière, Edgar offrit à la douce demoiselle deux jambes pour marcher, deux bras pour étreindre, et un corps pour vivre et danser. Rien ne pourrait plus séparer les deux êtres. Depuis cet instant magique, ils ne voulaient plus qu'une seule chose, découvrir le monde, ensemble. Dès l'aube, la douce demoiselle, l'araignée et Edgar entreprirent d'aller découvrir le monde. Mais lorsqu'ils s'approchèrent d'un premier village, ils comprirent très vite qu'ils n'étaient pas les bienvenus parmi les hommes. Leur différence inquiétait. Partout où ils passaient, ils dérangeaient et ils étaient chassés par ignorance et par crainte.
Ils cherchèrent longtemps un monde meilleur où vivre heureux. Mais s'ils ne connaissaient pas le temps passait malgré tout et faisait son œuvre, et Edgar et la douce demoiselle s'abîmaient peu à peu, inexorablement. Il fallait accepter l'évidence, leur corps n'était pas le meilleur allié de leurs rêves. Même l'araignée, qui n'avait jamais abandonné les deux étranges amoureux, ne semblait plus avoir la force de leur porter secours. Edgar savait qu'en poursuivant leur quête illusoire, ils couraient à leur perte. Alors, résignés, les trois fugitifs décidèrent de retourner là d'où ils étaient partis, là où personne ne viendrait les juger, ni même les voir, puisqu'ils allaient redevenir ce qu'ils avaient toujours été, invisibles. L'araignée tissa sa dernière toile. Edgar et la douce demoiselle abandonnèrent à l'usure du temps tout ce qui leur était désormais inutile, puisqu'ils avaient trouvé l'essentiel, eux, rien qu'eux, l'un pour l'autre. Pour la dernière fois, la douce demoiselle ferma les yeux. Et pour la première fois, Edgar ferma les siens. L'araignée s'endormit, elle aussi, pour toujours, heureuse d'avoir été complice de leur bonheur. Un jour, peut-être, d'autres égarés cherchant comme eux à s'échapper d'un monde trop hostile viendront au hasard de leur fuite trouver refuge dans leur sanctuaire oublié. Ils découvriront alors qu'aux portes de nos villes, au voisinage de nos vies convenues, existe un autre monde de paix et d'harmonie, habité de monstres et de merveilles, oublié des hommes et du temps. Together, here for.